fait des incarnations dites bénéfiques, la personne ayant beaucoup souffert dans la précédente et étant sortie tout de même vainqueur de ses difficultés, elle aura choisi de revenir pour observer le monde, pour s'imbiber, etc. Donc on a des gens dont la vie est vraiment, comment dire, toute douceur. Aucun problème nulle part, pas de problème de santé, tout va bien. Les parents super gentils, sympas, bien installés dans la vie. Alors ceux-là, on a tendance à les envier. Ça aussi, c'est un piège du monde. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se débarrasse, nous aussi, de nos tendances. Ainsi, quelqu'un qui se cristallise parce qu'il est envieux, c'est-à-dire qu'il y a une conjonction Saturne et Mercure dans un endroit, cette personne va essayer de jalouser d'une manière ou d'une autre, se rendre similaire, etc., ou interférer. Ça, c'est encore un travers plus vicieux, mais qu'il faut repérer et qu'il faut soigner, puisqu'il s'agit de médecine.